Donc le... Ah oui, c'est des arapaïmas, non? Arowana. 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 Ça? Ça c'est le Oplias. Oplias. Ça c'est, je sais pas le nom... Comment dire? Quel est le nom? Urubi. Urubi, ah. Ah, c'est ce que t'as mangé? Ah non, non. Tambaki. Tambaki. C'est ça que j'ai mangé. Tambaki, c'est des petits... Je sais plus le nom, mais c'est comme des piranhas. On a un tambaki dans la machine. Par ça, ils sont vraiment petits, je trouve. Le tukunaré. Ça, là. Tukunaré, ils sont vraiment petits. Mais... Le tukunaré. Ah, on a même des piranhas rouges. Ah. Avec mouche ou sans mouche? Ouais, mais là, c'est pas... C'est pas... Voto vivo. Donc là, on a une loutre domestique. Comme un chien dans la maison. Voilà, la seule personne qui... Qui peut l'appeler, c'est la demoiselle. Eh oui. Donc là, on est en pleine sélection de discus. On va en relâcher qui n'ont pas les critères. Alors celui-là. Celui-là, ouais, il a une bosse sur la tête. Une bosse sur la tête, donc là, ça va pas. Ici, là. Bosse sur la tête. Il a la, il a une épine dorsale là qui est croisée, enfin qui se croise, qui est pas jolie. Quoi. Donc là, il y a quand même déjà une bonne première présélection quoi. Ils envoient quand même pas n'importe quoi. Il faut aussi noter que les poissons qui restent dans les caisses et qui vont repartir à l'eau, ils en prennent vraiment soin. Ils mettent du sel dans l'eau, tout, c'est pas, il fait vraiment attention. Là, pareil, celle-là, elle est... Oui, elle a la bosse sur la tête. Il y en a pas mal. Dans ceux qui ont des défauts, c'est le défaut principal, c'est ça. Quoi. Encore pareil. Là. Du coup, ça donne, enfin, ça pas que ça donne l'impression, c'est qu'ils ont le corps moins rond, quoi. Ils ont le corps allongé. Donc, ils font plus partie des discus. Colombie. Ça va, mes mères? Koromi est en train de s'amuser avec des discus. La loutre mange du discus. Elle est où? Elle est là. Elle s'amuse avec un discus. Hé Koromi. Elle l'a pas croqué? Non. Elle a encore envie? Ah oui, non, elle a pas croqué, elle doit le pousser, mais pousser pour avancer plus loin. Bon, ouais, il a dû prendre des coups de griffe quand même. Bon, on va le relâcher. Hé, Koromi! Hé, Hugo! Kevin! Hugo! Encore la discute de Koromi! Voilà! Mais il a conseillé une boîte? Donc après les piranhas et les caïmans,
Là, on a une tarentule. Hop, elle est rentrée dans son trou. On a une belle tarentule, là. Maintenant, les piranhas noirs. Pour donner une idée de la taille du bestiau, on voit la main à côté. C'est un petit peu énorme et ben, ils ont été attrapés pile à l'endroit où on se baigne. Les nids des oiseaux, enfin, de certains oiseaux. Un petit caïman qui se promenait par là. Il n'a pas l'air bien vif. Non. Ah, ça mord même tout petit comme ça. Si tu vois ses dents, t'as pas envie qu'il te mord. Hein. Les caïmans, les piranhas, ils n'ont pas des grosses mains. Ah, bravo! Parabéns! Après, ils le relâchent, non, quand même? Ah oui. Non, t'as pas comme? Si. Si, pas comme? Ah, si. Un tout petit. Si. Le pescador de jacaré. Si, le pescador de jacaré. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se jeter dans l'eau en pleine nuit pour attraper ce genre de bestiole. Un discus bleu. C'est un équel. C'est un équel bleu. Un tatou pour manger. Ils ont attrapé ça hier soir. Allez, un petit effort. Voilà ce qui reste du tatou. Ah, non précise, un temps non précise quand. Pour midi, on a du tatou et des poissons. Et des mangues et des pâtes. Ragoût tatou et du riz. Là, c'est le match de foot avec la loutre. Elle est complètement crevée, ça fait un moment qu'elle court. Elle suit tout le temps sa maîtresse, alors elle la suit tout le temps sur le terrain, partout. Koromi.
Allez, Coromy s'en va. On est tranquille. Ouais. Pas qu'il fasse un AVC au moment où il tape la truc. Hein. Le truc en face. Eu nunca fui no passado, mas eu conheço mais quem foi lá. O pessoal estava para fazer uma filmação e diziam... Le filet mignon de... Sim, filet mignon. Filet mignon. Sim. Voilà, le perroquet maintenant. Salut. Qu'est-ce que c'est? Papagaï. Si, mais non, t'as pas... Non. Ah. Et c'est où c'est le nom d'elle? Et pépère. Aquel monstre tinha o nome. Ah, il chante. Il veut déjeuner aussi. Fatigué? Bon, après la loutre et le perroquet, maintenant c'est le singe. Ah, tu es gros. Chichita. Chichita? Chichita. Ah, tu es la poudre. Et... Non, tu t'attends, le père. Attends. On va donner un petit morceau de mangue à monsieur. Tiens, pépère. Ah bah oui, c'est bon la mangue. Miam miam. Mange proprement, t'es filmé. Zèbre. C'est un quoi ça, un zèbre? Zèbre, oui. Mais tout cas. Ça, c'est un tigre, je l'appelle. Je ne sais pas les numéros, il y a combien de numéros. Et encore une petite pêche du matin. Quelques beaux piranhas noirs. Attrapés par Capellone.